température monte et la folie. Oui, aussi, ça va être la folie sur le plateau aujourd'hui de Si on dansait. Comment allez-vous? Très grand standard à écouter absolument en compagnie de Christelle et Laurent. Regardez comme on a une émission de grande qualité aujourd'hui. Voici tout de suite Christelle et Laurent en piste. On sait rien et on voudrait que je sois malin. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes. It's a
Jolie reprise, vous avez peut-être dansé vous aussi à la maison, un très beau solo en compagnie de Christelle et Laurent. Alors comment se sont-ils connus? C'était la fête de la musique et puis en fait Christelle était vendeuse et je crois que Laurent, vous alliez alors pas acheter quelque chose dans le magasin mais simplement vous jouiez, c'est ça? Oh, je lui ai prêté mon instrument. Ah, vous lui prêtez l'instrument? Ah, oui. Oui, oui. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Et après, eh bien, depuis, ça donne combien d'années déjà? 14 ans. De complicité. 14 ans de musical, ouais. Voilà. Avec un répertoire aussi très, très varié. Hein. Un répertoire très varié, oui. Cabaret, musette, variété. Et voilà. Ce qui vous importe, je crois, c'est vraiment de faire, ça c'est le point commun d'ailleurs de tous les invités aujourd'hui, vous aimez que les gens soient heureux et c'est faire la fête. Voilà, absolument. Exactement. Voilà. Il y a eu un troisième album, mais il y en a un quatrième qui va pas tarder. Il y en a un quatrième en préparation. Bon, oui. Bah, il faudra venir l'année prochaine. Avec plaisir, sans problème. Pour nous le présenter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.